Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un mini haul Action. Alors, je ne devais pas aller chez Action de tout le mois de janvier, mais ma fille avait besoin d'écouteurs sans fil, enfin des écouteurs, les siens ont lâché. Du coup, voilà, mercredi, je suis allée avec ma fille lui acheter des écouteurs comme elle finissait le lycée à 10h. On est allé chez Action et bien sûr, j'ai craqué pour des blocs. Les blocs que j'avais vus sur la chaîne de Miss Crab 89, la chaîne de Christelle, que vous connaissez sans doute. Alors, je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous ne connaissez pas en barre de description, où elle avait montré les blocs comme ceci. Alors, j'avais trouvé ces blocs super jolis. Voilà, et j'en ai pris deux lots. Alors, je vais vous montrer l'album, le mini que j'ai fait. Alors, je pense vous faire peut-être un tuto de l'album. Je vais voir si j'ai voilà, si j'ai le temps. Et si j'ai l'envie de le faire en tuto, alors là je l'ai préparé, ben je vous le montre. Voilà le mini que j'ai fait. Un mini à. Je trouve assez sympa, très facile à faire. Voilà, j'avais besoin de faire un mini pour remettre des photos, les photos, des petites photos. Voilà, je me suis fait mon petit mini. Donc peut-être j'en referai un. Un tuto, je vais voir, tout dépend. Voilà, vous dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse le tuto de ce mini, rien de compliqué. Rien de compliqué. Ensuite, voilà, je l'ai fait avec ce papier parce que j'ai trouvé super joli. Alors, je pense que vous l'avez toutes peut-être vu dans des hauls. Donc, j'en ai pris deux. Il est à 1,99 €, je crois. Je l'ai noté. Ouais, 1,99 €. Et j'aime bien parce qu'il y a des mots. Voilà, il y a des mots comme ceci là. Pour faire pas mal de choses dans l'art journal ou dans des cartes et tout. C'est pas mal les petits mots comme ceci. Voilà, alors j'en ai pris deux. Et ensuite, voilà, j'y suis allée. Quand j'y suis allée, j'ai trouvé les encres. Enfin, j'étais vraiment allée pour les écouteurs. Je voulais même éviter le rayon scrap. Mais comme le rayon scrap est en face dans notre Action, il y a les écouteurs ici. Et le rayon scrap est juste en face. Du coup, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu les blocs, j'ai vu les encres. Donc, je dis tant pis, je craque. Bon, ben, j'essaierai de faire attention en février. Alors, j'en ai trouvé 5, j'ai pas trouvé le sixième. Après, il y avait tous les anciens. Il y avait les. Parce que là, ça démarre. Il faut se tromper, ça démarre à partir du 49. Moi, j'avais les deux autres lots. Et par contre, je vais vous montrer comment le rangement que je vais faire. Parce que là, les autres, je les ai mis dans un rangement de maquillage. J'essaierai de retrouver la vidéo où je vous le montre. Où je vous le montrerai. J'essaierai de retrouver la vidéo. Et là, ceux-là, je vais les ranger différemment. Alors, je pense vous le faire avec vous, faire une vidéo où je vais le faire. Hein, et je vais me filmer en train de le faire. Ça peut vous donner des idées. J'ai vu ça sur une. J'ai vu ça sur. Je crois Pinterest ou. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça. J'ai trouvé l'idée sympa pour gagner de la place. Bon, Miss Crab 89 a fait le rangement. Je vous mettrai aussi sa vidéo si ça peut vous aider. Mais bon, le rangement que je vais faire, voilà, moi c'est pour gagner de la place parce que là, enfin, pas gagner de la place, je voudrais me les mettre sur le bureau. Voilà, prêt à être utilisé. Voilà. Je vous montrer ça. Alors, je voudrais quand même vous les montrer. Alors, ça va du 49 au 72. Donc, moi, c'est le premier que j'ai pas trouvé. Du 49 au 52, je les ai pas trouvés. Et ensuite, j'ai voilà du 53 à la couleur bleue. Bleu et je sais pas si c'est pas du violet plutôt. Violet foncé, violet clair et bleu clair. Bleu foncé, je pense. Non, Cosmos, non, c'est du bleu. On dirait du violet, celui-là, le 54. Hein. Bon, bref. Ensuite, il y a le 57, ici, côté rosé. Et ensuite, le 61, 62, 63, rose, ouais, plus foncé. Là, ça fait du rose un peu corail. Et ensuite, il y a le gris, non, ces couleurs-là, pastel. Sympa les couleurs comme ceci et ensuite celui-ci. Voilà, donc je vous ferai le rangement à la suite de la vidéo. Enfin, celle-là, je vais vous la mettre aujourd'hui. On est vendredi, je vais essayer de vous la mettre cet après-midi si j'ai le temps. Et du coup, je vais enchaîner la vidéo voilà pour le rangement et après, je vais essayer de vous faire le tuto
tuto album. Il y a autre chose, voilà, que je voulais vous montrer. Il y a d'autres vidéos que je dois faire. Voilà, pour les tampons, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Pour les tampons comme ceci, je vais faire des cartes. J'ai plein d'idées. Alors, j'ai regardé ce que vous, la préférence, la première carte que vous voulez que je fasse, c'est la voiture qui a, voilà, qui, vous voulez beaucoup d'idées avec la voiture. Donc, je crois que c'est la voiture. Et ensuite, c'est, je ne sais plus, je me le suis noté, mais je ne sais plus ce que je me suis noté. Bon, la prochaine vidéo carterie, ça sera avec cette voiture. Voilà. Autre chose que je veux vous montrer avant de vous montrer tous les achats, enfin, j'ai pas fait beaucoup d'achats. Voilà, c'est ce truc là que j'ai vu sur une chaîne américaine, je crois, je sais plus, je regarde tellement de vidéos quand je fais mon sport. Voilà, c'est un petit une petite pochette, hein, pour ranger, voilà, une tablette de chocolat. Je trouvais ça sympa pour offrir, hein, pour la Saint-Valentin, ça devrait être sympa. Et ici des, voilà, des petites pochettes pour mettre des petits thés. Donc si vous, ça vous intéresse, que je vous fasse le tuto. Donc comme je dois en reproduire une autre, est-ce que je la fais en tuto ou pas? Vous voyez, pour envoyer, en plus ça contient, je pense que ça fait, ça dépasse pas 3 cm, on doit pouvoir l'expédier par la poste. Alors j'ai pas ma règle, ici j'en ai une, mais est-ce que, c'est pas marqué, non, j'ai pas, ah, si, ici, voyons si ça fait 3 cm, donc ça dépasse pas 3 cm, du coup on peut l'expédier comme ceci, voilà, ça passe dans un courrier. Voilà, pas besoin de le faire par Mondial Relais. Donc, vous me direz, voilà, si ça vous intéresse. Ou bien, si j'essaie de trouver le lien de la chaîne. Parce que bon, j'ai juste pris les mesures. Après, je me le suis fait à ma sauce. Du coup, voilà. Donc, si vous dites-moi si ça vous intéresse, ce tuto, le tuto de du mini. Dites-moi ça en commentaire. Ensuite, je me suis retrouvée. Alors, il n'y en avait plus dans mon action. Et là, j'ai vu qu'il y en avait, ils en avaient reçu. Donc, j'en ai repris parce que j'en ai plus de ce papier-ci. Il me reste celui-ci papier que j'utilise pas le papier allez, côté aquarelle. Moi, j'utilise celui à l'aquamarqueur. Feutre à alcool, pardon. Alors, le bloc, enfin, oui, le bloc là, enfin, alors combien il est, 1,95€. 1,95€. Bon, j'en ai pris qu'un, j'avais envie d'en prendre deux, mais après, je me suis dit, bon, allez, prends-en qu'un, peut-être qu'ils en feront peut-être d'autres modèles. Donc, je préfère en prendre qu'un. Les encres, pardon, je n'ai pas dit, 99 centimes les 4. Donc, c'est pour ça que je les ai pris, parce qu'à ce prix-là, elles sont quand même sympas pour faire des petites cartes. C'est assez sympa. Et ensuite, j'ai pris ceci. J'ai pris ça, les simili-cuir. Hein. J'aimais beaucoup voilà, les grosses paillettes comme ceci. Et dans l'album là que j'ai fait, j'ai utilisé le noir de celui-ci. L'effet crocodile un peu là. Je trouvais sympa pour faire la tranche. Voilà, j'ai utilisé voilà, ce simili-cuir là. J'ai utilisé tout le papier. Enfin, il m'en reste un petit morceau que je ne sais pas où j'ai mis. Il doit y être par là. Voilà, il y a effet miroir un peu violet. J'ai pris celui-ci. Celui-ci est super joli. Et celui-ci. Après, il y a le noir crocodile avec. Alors, le semi-cuir, il est à 1,19€. Bon, j'en ai pris que deux. Il y avait d'autres modèles, mais bon, j'en ai quand même. Et celui-là, il fait corail. Je trouvais sympa pour cet été. Je l'ai trouvé sympa. Avec grosse paillette, là, il est vraiment joli. Voilà, il fait miroir. Il fait crocodile aussi, celui-là, sympa. Et celui-ci. Voilà, 1,19€. Et ensuite, alors je mets des coups sur la tablette, donc je vous fais bouger. Et après, j'ai pris ceci, des feuilles métalliques du cardstock. Alors, il y a 18 pages, 250 grammages, 250, c'est du A5. Alors, ceci, ça vaut 0,89 centimes. Alors, il y avait d'autres couleurs. Alors, j'ai pris, moi, crème. Voilà. Et ensuite, j'ai pris, hop, deux autres choses. Des demi-perles. Alors, il y avait d'autres couleurs, mais les autres couleurs ne me plaisaient pas. J'ai pris les couleurs que j'avais pas. Enfin, que je n'ai pas trop. Hop.
il y en a pas mal, mais ça, je vais pas pouvoir l'ouvrir parce qu'il y a du scotch. Donc c'est bien parce que c'est en plus dans des boîtes impeccables pour le stockage. Je voulais voir la couleur. Voilà, je voulais voir la couleur de celle-ci qu'on voit pas trop. Hein. C'est du ouais, du noir. Ouais, j'aime bien. Ouais. Donc j'ai pris cette couleur-là. Alors les perles, demi-perles, 1,99€ la boîte. Bon, pour le prix, franchement, moi j'en ai pas trop de demi-perles. En plus, c'est impeccable. Donc il y avait les couleurs bleues, je crois, mais bon, je n'ai pas pris. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et après, j'ai pris ça, des feutres calligraphie, mais couleur or. Mais je suis un peu déçue, je les ai regardés, mais ça fait pas trop couleur or, ça fait couleur plutôt orange. Hein. Alors, je vais prendre un papier ici pour vous montrer. Alors, par contre, les feutres calligraphie, c'est passé à 56 centimes. Je pense pas que ce soit le prix. Parce que c'est passé, il y avait marqué kit carte, je sais pas quoi. Enfin, ça correspondait pas, même le code barre sur le ticket ne correspondait pas à l'article. Donc, j'ai payé, comme je me suis aperçu à la maison, ben, j'ai pas pu y revenir. J'ai payé ça 56 centimes. Alors, je sais pas si c'était pas un peu plus cher. Je sais pas du tout. Donc, il y a trois pointes. Il y a pointe de 2. Alors, la pointe de 2 ici. Et je trouve pas que ça fasse couleur or. Enfin, je trouve que ça fait plus orange. Enfin, un peu déçu. Je ne pensais pas trouver cette couleur. Gold, il y a marqué rose gold. Ça fait plutôt orange gold. Alors, le 2, voilà, c'est pour faire le contour, le 3,5. C'était pour faire le contour de mes cartes. Voilà, pour faire les petits pointillés et faire un peu de doré. Enfin, je pensais avoir du rose gold et je trouve pas. Et le 5 ici, ça fait gris. Enfin, c'est bizarre. Vous voyez, ça fait du gris orange. Hein. Ouais, un peu déçu. Mais bon, ça servira quand même. Voilà, j'ai pris que ça et c'est déjà beaucoup en sachant que je ne vais pas y aller. Voilà, donc je vous prépare le petit rangement là pour les encres, la vidéo que je mettrai dans ce week-end. Et ensuite, vous me direz entre-temps, voilà, si vous voulez le tuto de la pochette et du mini. Voilà, le mini, peut-être, j'ai envie de vous le faire, voilà, pour utiliser, pour vous montrer comment utiliser la tranche avec le simili-cuir. Comme ça, on peut utiliser, voilà, le papier, montrer, j'ai pas eu de chute avec pas de chute et pour utiliser, enfin là j'ai pas fini, je vais y mettre une découpe de fleurs blanches, ça fera joli je pense. Et voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée créative, bye bye.